Et salut tout le monde, c'est Anton. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre à faire une farm à bloc modé autorisé sur le serveur. Donc, avant ça, bien sûr, on va passer par quelques petits dons. Et là, direction le petit spawn. Je sais pas si vous vous rappelez de cette magnifique endroit. Donc, la petite photo là. Bon, Ornox s'est un petit peu rajouté dessus. Vous voyez rien de bizarre. Et bah, ouais, ils ont mis mon skin. Bon, à part que j'ai un petit bug, ça va très bien. Bon, là, on va passer à la petite phase don. Donc, là, c'était des petits dons surtout qui étaient faits de bloc modé et surtout de Mister, juste moi. Donc, gros big up à lui pour tout ce qu'il nous a filé parce que ça a bien nous aidé à build. Donc après ça, il m'a aussi redonné une magnifique petite épée, donc petite épée comme ça. Donc on verra si ce qu'on en fait, mais en tout cas un gros merci à lui. Bon après il avait donné la même Ornox, mais bon, c'est le geste qui compte, qui est quand même déjà assez bien. Voilà maintenant, c'est le moment d'en revenir au bloc modé et à la farm à bloc modé. RNG, je vais pas vous faire un dessin, les blocs modés ça existe. Donc d'ailleurs en parlant de ça, 4e nota et 6e, je crois bon on est un peu redescendu, mais niveau note c'est pareil. Donc voyez sur cette photo, donc ce qui nous intéresse c'est le bloc de terre et gravier. Donc ce bloc c'est un bloc Minecraft comme tous les autres, sauf qu'il a la capacité de se propager sur de l'herbe dirt. Donc c'est là-dessus qu'on va expérimenter le truc, et si ça marche ce serait une belle dinguerie. Donc pour la faire je pense on va la faire avec toutes les autres, donc ce sera sous le FOAM. Puis si ça marche pas on s'en servira bien pour faire quelque chose d'autre. Bon, je vais pas vous mentir que pendant que je vais creuser la farm, vous n'allez pas vous ennuyer là. Donc, je vais vous proposer un magnifique petit diaporama proposé par un de nos membres, Farmer 74, plus une petite anecdote que j'ai à vous montrer sur une belle photo que j'ai prise et j'ai failli faire une très très belle connerie que je ne recommencerai pas. La fameuse photo c'est celle-là, donc j'ai pris une photo de moi en full dash et que j'ai eu la très très bonne idée de mettre la fufu dans ma main et j'ai double clic, j'ai perdu la fufu dans ma main. Là j'étais en PLS, là je vois le clear là qui arrive, je me suis dit putain je vais me faire défoncer et là qu'est-ce que je vois à l'étage, en gros la fusée elle avait pop à l'étage comme si c'était prêt pour décoller. Voilà, j'étais sauvé et plus jamais je retouche à cette fusée. Bon, je sais que vous n'avez pas que ça à faire, donc là on va retourner immédiatement sur la petite farm à bloc modé. Donc je vais vous expliquer un peu le principe. Donc le principe ça va être de faire un peu comme les farms à herbe normale, donc où l'herbe se propage. Donc sauf cette fois à la place de l'herbe on va remplacer par donc la terre sableuse. Donc après on pose les blocs de terre gravier ici comme cela, donc ce qui va nous permettre que l'herbe se propage un peu. Puis après du coup on va reboucher avec un peu de cobble dessus pour que ça puisse, si jamais quand on pète l'herbe avec la pioche, avec la pelle pardon, au moins du coup ça nous permette de pas tout péter. Et du coup bah, on va faire des rangées de dirt après en plein milieu. Donc maintenant une fois que donc on a fini, donc là c'est pour un petit modèle. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre et puis on va voir si notre premier bloc modé apparaît. Bon, en attendant que ça marche, je vais en profiter pour faire un deuxième petit étage, donc comme le premier, mais surtout sur l'étage du dessous, ce qui va permettre d'attendre un petit peu. Ah bah voilà, donc là l'exemple parfait, après une minute, nous avons notre premier bloc modé qui a farm. Et donc là du coup on peut le récupérer et ça nous refait de la terre sableuse. Donc voici, j'espère que vous utilisez cette petite... Oh, un deuxième. J'espère que vous utilisez cette technique à bon escient et surtout, ouais, profitez bien. Et sur ça, je vais vous laisser sur un dernier petit don d'un des membres qui s'appelle Rico.